Alors, donc là c'est ma séquence de jeu, toujours, en fait c'est la même que celle d'avant, toujours ma quatrième séquence, enfin non, ma troisième, oh, je sais plus, c'est la même qu'avant, mais en tout cas, c'est parce qu'en fait, tout simple, donc je tourne toujours le jeudi 6 février, c'est parce qu'en fait, entre deux, j'ai été au lycée, voilà. Cette image-là, hein, faut que ça sera pour l'épisode de... maintenant on a la nouvelle. C'est vrai que dans l'épisode précédent, c'était magnifique ça. Hein. C'était magnifiquement drôle. Hein. Bon, en tout cas, on va continuer. Attendez, je rapproche un peu le micro, même si je pense que vous m'entendez bien mieux que le son du jeu. Difficulté normale. Hein. Pivoter la mini-carte. Ah, c'est vrai que moi je suis plutôt du genre à ne pas pivoter la mini-carte. Ah, quoique c'est vrai que l'écran. Ça me perturbait. Ah, il suit pas l'écran. Quoique. Ouais, quoique, ça peut passer en fait. Ouais, ça peut passer. Oh, on va pas faire les gens pas contents. Une jeune déesse. Vivement qu'on débloque un personnage de ce jeu, parce que c'est vrai que, étant donné qu'on n'a pas de personnage attribué au jeu, bah moi j'aimerais bien remplacer Asuna, même si je sais que Asuna est beaucoup appréciée. Voilà, j'aimerais bien la remplacer parce que dans ce jeu-là, c'est pas Asuna que je souhaiterais avoir comme personnage coéquipier. Lifa, oui, bah c'est son monde à elle, donc totalement. Donc il y a plusieurs personnes qu'on peut aller voir. Là-bas, il y a les gens, y a le groupe de deux là-bas. Ici, on a une personne et ici. Ouais, je crois que je vais remettre la carte qui bouge parce que là c'est trop tard. Je suis trop habitué à la carte qui bougeait pas. Enfin, à qui bouge. Du coup, voilà. Oui, c'est vrai qu'on devait trouver là des monstres comme ça, mais je les ai pas trouvés. On les avait cherchés tout à l'heure, enfin ce matin, parce que là pour moi c'est l'après-midi maintenant. Bon, on va aller parler à cette Neko. Cette Neko qui est dans la race, enfin qui est dans la. Ouais, si, dans la race de. La race de je ne sais pas quoi. Dans la même race que. Pas dans la même race que, en tout cas. Bon. Livre en langue ancienne. Ma grand-mère
m'en a parlé quand j'étais jeune, mais je ne peux pas le dire non plus. Ah, donc faut qu'on parle à eux pour trouver un... Ah, d'accord, le fameux livre. Il y a 8 ruines et réseaux de grottes à Wing Lin, mais 3 d'entre eux sont trop hauts pour y aller en volant. Il doit y avoir un moyen spécial de les atteindre. C'est vrai, attends, il a parlé de combien d'îles? 8. Il y en a quand même pas mal. J'avais réussi à aller à l'une de ces îles qui n'était pas possible d'accès. Je sais plus c'est à quel épisode, mais j'avais réussi. Oula, j'ai du mal à jouer là actuellement. Ouais, bah c'est. Bah, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire, mais il me semblait que j'avais déjà lu ce message, c'est peut-être pour ça que je me j'ai pas voulu le lire. Ah. だからお前たちに構っている暇はないんだ。じゃな。行っちゃったね。フィールド解放に一番近づいているギルドなのに攻略は後回しにするなんて変わってるわね。まあ、ゲームの楽しみ方なんて人それぞれだからな。あいつらが攻略をストップしてる間にフィールド解放を進めようぜ。 Je vous préviens, on va le battre en premier, ça. Ça. Mais attendez, par contre, c'est le premier niveau, parce que je rappelle... Non, ça c'est dans le monde de Sword Art Online. Ouais, j'étais en train de me dire... Attends, c'est le premier niveau. Mais il y en a 100. Dans Sword Art Online, il y a 100 paliers. Mais il y a combien de paliers dans Alfheim? Il y en a 4 ou 8, je crois, si je me trompe pas. Il doit y avoir 4 ou 8 paliers. J'ai un doute sur le nombre. Dans Alfheim, avec Svart, Alfheim, mais parce qu'en fait, moi j'ai cru vraiment que c'était comme dans Sword Art Online avec les 100 paliers, mais non, c'est pour ça, heureusement, c'est le premier boss, c'est le premier boss. Moi, là, en vrai, si on serait sur Sword Art Online, je pense qu'en vrai, on serait déjà au 3ème ou 4ème boss, hein, là. Bon, ce qui est très long, parce que Sword Art Online est très long à faire, mais bon. Oh, qui? Oui, Kirito a des pouvoirs de détection. Il peut voir, des gens qui se camouflent. Mais après, il peut pas toujours les voir. Ça dépend vraiment de la situation. Ah, par contre, non, je pense pas que c'est ton imagination. Elle est de retour! Salut! Elle est repartie de même. Bon, ça me fait rire parce qu'à chaque fois on la voit réapparaître de la même manière. La dernière fois, durant les épisodes où il y avait un problème de son, il y avait eu ça aussi. Ah, faut rentrer à la maison. Ah, donc là, mon sort est scellé. Si je veux pas aller à la maison, je suis mal, quoi. Ah oui, c'est vrai, je devais rendre une quête. J'avais oublié. Et on gagne quoi, cette quête? J'espère un truc bien. Ah, tuez-moi. Termine la quête, bien sûr. T'as pas des nouvelles quêtes? Des nouvelles quêtes, c'est quoi ce mot? Allons-y.
Dehors. Ils auraient dû, par contre, c'est un peu dommage, ils auraient dû faire plus de d'apparence pour les personnages. Parce que, bon, certes, il y en a quand même pas mal, mais je trouve qu'ils devraient en faire. Ils auraient dû en faire quand même plus. Voilà. C'est déjà bien, hein, mais je trouve vraiment qu'ils auraient dû en faire plus. Lui, c'est un salamander. Ouais, c'est un salamander. Un salamander avec une armure noire. Eh ben. Parce que les salamanders, c'est ceux qui sont rouges habituellement. On va y aller. Go! スバルトエリアの攻略は進んでいるかい？それがちょっと行き詰まっちゃってて、ダンジョンを攻略してる時に古い書物を見つけたの。でも文字がわからないんだ。あ、ça va falloir demander à la chef des sylphes. Je crois qu'elle peut lire ce genre d'écriture. 古い書物？ちょっと見てもいいかな？Et une nouvelle image à enregistrer. Une nouvelle image de plus. Sakuya-san, 風の魔法装置により空高く登ることができ、装置は2つのアイテムにより起動が可能だとある。C'est parti pour le collecter。風の魔法装置は人工的に強力な気流を発生させる装置だと書いてあるな。そんなことが書いてあったんですね。図だけじゃ分かりませんでした。Effectivement, oui, c'est logique。あれは気流装置だったのね。On le savait déjà, on l'avait utilisé, on s'était envolé avec. Mais à mon avis, c'est parce qu'il est capable. Je pense qu'il doit être plus puissant que ça. Ou alors, ça pourrait faire en sorte qu'on puisse voler plus haut, peut-être, ce bouquin. Et le Nia. Il est où le Nia? Manque Nia. Oh! On a les chefs de guilde! Enfin, on en a deux sur les huit, mais. Enfin, je crois qu'ils sont huit, j'ai un doute. Yui, そこが怪しいな。じゃあ明日のダンジョン攻略までは自由時間だな。所持品点検とかもしておいた方がいいわね。そうだな。それじゃあここで解散。OK。ねえ、キリト君、絶剣って知ってる？な、な。J'ai une dent contre ce personnage. Vous pouvez pas savoir à quel point je la déteste. Non, je ne veux pas que tu sois vivante. Je reste là où tu es. Tu es morte. Tu es morte. En fait, c'est un personnage qui meurt dans la saison 2. Mais techniquement, vous êtes censé avoir vu Sword Art Online. Donc,
Parce que, à moins que vous êtes à fond sur les RPG, peu importe les licences, mais ça, c'est un jeu qui a été fait pour les fans. Donc, normalement, vous avez vu la série. Elle meurt à la fin de la saison 2. L'épée absolue, son nom, vous le verrez après. Ou si vous la connaissez déjà, vous savez de qui je parle. Mais voilà, elle meurt. Et moi, j'étais tellement content quand je l'ai vue mourir. Je sais, je suis sadique. En plus, quand vous allez voir son âge, s'il est précisé. Et son. Ouais, parce qu'en fait, c'est une enfant qui possède toutes les maladies de la planète en même temps. Et qui meurt. Dans la saison 2. Et moi, je l'ai détesté, sa manière d'agir, tout ça, c'est. Voilà, je l'ai détesté. Bon, en tout cas, on va sûrement l'avoir dans l'équipe, je jouerai avec, ne vous en faites pas, je n'abandonnerai personne, même si il y a certains personnages un peu en mode mouais. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, on avance dans le texte. ああ、最近噂になってる筋デュエルをやってるプレイヤーのことか。何でも立ち合いを希望したプレイヤーを全員返り討ちにしてるんだってね。Sauf qu'on dit que Sumeragi, enfin Sumeragi, hein, si vous préférez, est le plus puissant. Et le deuxième, c'est Eugène. Donc elle peut pas être imbattable si on dit qu'elle n'est pas la plus forte. Déjà, je casse tous les délires. OSS をかけてるから、それでも挑戦するやつが後を絶たないらしいな。Non, c'est pas il, c'est elle déjà, hein. その人の OSS って11連撃なんでしょ？それだけの技を編み出せるなんて、一体どれだけの剣豪なのかしら。今までスバルトエリアの攻略にかかりっきりになってたけど、この辺りで俺も一度手合わせ願いたいな。Et s'il y a un duel en 1v1 contre elle, j'accepte, littéralement. Même si je la déteste, un combat de boss, ça serait magnifique. En même temps, sa compétence, elle est quand même assez puissante et très rapide aussi. Bon, ça ne battra jamais Asuna qui a, si je me trompe pas, celle qui a l'attaque la plus rapide dans l'équipe. Ou à moins que c'est aussi Shinon, parce qu'avec son arc, elle est quand même très ra... elle a une compétence qui est très rapide avec son arc. Bon, en tout cas, cet épisode, il y aura eu plein de trucs. Attendez, je vais voir la durée. Ouais, on a eu quand même à peu près plus de 15 minutes de cinématique. Hein. Je dis ça, je dis rien. On a gagné littéralement une image là. C'est tout. Mais en tout cas, on a quand même gagné pas mal d'images et c'était assez drôle. Bon, on va avancer vers la suite. Ah, la suite. Oh non. Houston, on a perdu l'image. Enfin, je sais même pas s'il devait avoir une image. Chargement. Oh non, c'est là. J'ai une impression de déjà vu. もうデュエル始まってるみたいね。どんなやつなんだ。他に対戦する人いませんか。もしかしてあのインプの子がゼッケン。Donc elle, c'est, ça serait sa race, ça serait une lutine, un lutin, du coup. Voilà, l'épée absolue. Non, je sais plus.
ログアウトする直前に突然現れてデュエルした。名前は勇気。Je me rappelle. Ah ben non. Attendez. Parce que oui, c'est vrai, dans Low Fragment, on va jusqu'à l'étage 100. Alors que dans la vraie série Sword Art Online, on s'arrête vers le 70, je crois. Parce que Heathcliff, on le combat avant le centième. Mais au centième palier, il y a un gros boss extrêmement puissant qui défend Heathcliff. Et après, il y a Heathcliff normalement. Et sauf que Heathcliff, il est descendu aux étages inférieurs. Du coup, ben, ils en ont profité, ils l'ont tué au 70e. Enfin, c'est pas le 70e, mais c'était aux alentours. Oui, c'était plutôt une... Ouais, parce qu'en fait, dans Low Fragment, les personnages de Low Fragment sont... ben, il y avait en fait des personnages d'Alfheim qui s'étaient téléportés sans aucune raison dans le monde de Sword Art Online, en fait. C'est pour ça, Low Fragment, il était quand même particulier, parce qu'il n'y avait pas trop de logique. Même déjà, elle, pourquoi elle est là? Elle est morte. Elle est censée être morte. Je vous préviens, s'ils nous mettent Sachi, je me tire une balle. Sachi, c'est un perso que j'aime beaucoup, mais qui meurt en fait également. Voilà, j'étais dégoûté. Mais bon, je me mets une balle parce que ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais au début. Au début, par contre, je m'attendais vraiment à une armure de type violette, à une grande armure violette, avec un gars avec une longue épée violette ou jaune. Et en fait, pas du tout. C'était bien la couleur violette, mais c'était une petite armure légère violette. Et c'était une fille, une petite fille, je crois qui a 12-13 ans, si je me trompe pas. Normalement, c'est Asuna qu'on va en prendre. Voilà. Et ensuite, c'est Kirito. Allez, en duel, 1v1. Ok. Oh, les points de vie. Tu mourras pas si facilement, je te préviens. Je quitterai jusqu'à ce que j'arrive à la battre. Je me fiche, je la battrai. On a des sorts de soins, faudra en profiter. Faut que je la batte. Reviens. Elle est là. Bouffe ça. Non. Elle a... Pause. Je sais plus ce que je fais certaines compétences. Renfort de magie, ça pourrait être pratique. Pourquoi je l'ai pas mis? Je sais pas. Résurrection, mais c'est super pratique.
Vite! Ça peut être pratique ça. Ok. On va y aller au corps à corps, ça a pas l'air de marcher. Ouf. Dans le manga et dans l'anime, Asuna perd le combat. C'est pour ça que je referai pas la même erreur. Ok, faudrait que je régénère juste mon endurance. Ah, je t'ai touché alors. Non. Je gère, vous en faites pas. Alors. すごくいいね。お姉さんに決めた。どういうこと？デュエルの決着は？これだけ戦えば僕は十分だよ。ん？ねえお姉さん、お願いがあるんだ。うん、僕と一緒にスバルトエリアを攻略しようよ。 C'est vrai, quand je réfléchis, j'ai quand même bien éclaté. C'était épique, certes, mais je l'ai éclaté. Mais j'avais vraiment envie qu'ils mettent une image de où on voyait la rapière d'Asuna qui donne un coup contre l'arme, parce que je sais plus si c'est une épée ou une rapière qu'elle a, Yuki, je crois que c'est une rapière. Non, c'est une épée. Donc j'avais trop envie qu'ils montrent une image où on voit la rapière contre l'épée contre l'épée en fait. Donc Asuna et Yuki se battent sur l'image. Ça aurait été magnifique. Oui, Kirito l'a déjà dit. À revendre et une rosée, c'est pratique. Ah, son item. Ah, parce que les autres regardaient, techniquement, il n'y a que Asuna et Kirito. Enfin, je crois, il y avait Yui aussi. Mais je crois que c'est tout. Bon, on est nombreux. Venez nombreux. We'll be right back.
prochain épisode, une jeune déesse.